France Inter. 7h54 le vendredi, la chronique de François Morel, enregistrée ce matin, car M. Morel est en spectacle à travers la France. Il y a un homme à abattre en ce moment, un type contre qui tout le monde s'acharne. Vous voyez qui je veux dire. Quelqu'un qui, pour beaucoup, est le mal absolu. Un homme dangereux, malhonnête, détestable. Non, il n'est pas spécialement petit. Non, ce n'est pas un transfuge du Parti socialiste. Non, d'ailleurs il n'est pas au gouvernement. Non, 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 mais vous voyez de qui je veux parler. Quelqu'un qu'on connaît depuis des décennies, dans les années cinquante, il est apparu. Non, il n'est pas borgne. De toute façon, c'est pas un homme politique. Vous, vous voyez maintenant un type vraiment abominable, ignoble, atroce, exécrable, monstrueux. Vous voyez qui je veux dire? Oui. Pierre Perret, oui, l'auteur des Jolies Colonies de vacances, de la Cage aux Oiseaux, du Torboyau, de quoi est-ce qu'on accuse-t-on mon client, ainsi que jadis interrogé Louis regaud De plein de choses. D'abord de prétendre avoir rencontré Paul Léoto alors que ce n'est peut-être pas vrai, d'avoir volé une image poétique à Federico Garcia Lorca dans la chanson Blanche, de soutenir que Georges Brassens ait pu être jaloux du succès de lui, l'auteur du Zizi. Premier point. Et si Pierre Perret n'avait jamais rencontré Paul Léoto, serait-ce si grave est-ce qu'on en a voulu à Bernadette Soubirou de dire qu'elle avait rencontré la Vierge Marie Est-ce que Bernadette, qui à un moment de sa vie voulait faire son trou dans le domaine du spirituel, n'a-t-elle pas cherché à se faire mousser auprès du clergé local C'est possible. Bien sûr, si Pierre Perret annonçait qu'il avait eu des contacts sexuels avec Bernadette Saubirou et Paul Léoto en compagnie de Patrick Balkany et Brigitte Bardot, cela pourrait devenir sujet à caution. Mais là, objectivement, Pierre Perret a fait connaître Paul Léoto à des amateurs de chansons qui, sans lui, n'en auraient peut-être jamais entendu parler. Je repose la question est-ce si grave Deuxième point on reproche à Pierre Perret d'avoir pillé des poètes. Blanche, dont les cuisses fuyaient comme deux truites vives, ressemble à la femme adultère de Federico Garcia Lorca, dont les cuisses s'enfuyaient sous moi, dit le poète, comme deux truites effrayées. Est-ce si criminel On reproche à Pierre Perret de piller les poètes. Moi, j'aurais plutôt tendance à reprocher aux chanteurs de ne pas assez dépouiller les poètes. Dans « Je t'attends » de Johnny Hallyday, « Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends », je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque instant. Je t'attends, je t'attends, je t'attends depuis si longtemps. Nulle trace, en effet, de leur cas. Troisième point, Pierre Perret affirmant que Georges Brassin s'était jaloux du talent de Perret. C'est curieux et, j'avoue, un peu ridicule. Surtout que la jalousie, je connais. Quand je ne suis pas chroniqueur sur France Inter, il m'arrive de faire l'acteur. Je sais que Michel Bouquet, Michel Piccoli et Robert Hirsch se réunissent souvent pour dire du mal de moi et pester contre la merveilleuse carrière qui est la mienne. Qu'est-ce que j'y peux Le mieux est de ne pas répondre. Je ne connais pas personnellement Pierre Perret, mais j'ai l'impression que l'on peut avoir quelques indulgences pour celui qui a écrit sans l'aide de personne. Chez la jolie rosette au café du canal, Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés Ici on peut apporter ses baisers.